je sais que c'est un match qui est marqué, une pierre blanche par tous les dirigeants, les supporters. C'est toujours un match un peu différent des autres. Il y a toujours beaucoup de spectacles dans ces derbies, donc j'espère qu'on offrira ça au public. Et en termes de points, j'espère vraiment qu'on va les battre et qu'on les laissera derrière nous au classement. C'est souvent des matchs qui démarrent sur les chapeaux de roue. On l'a vu chez eux au match aller où ils avaient quasiment tué le match assez rapidement en première mi-temps. Le match Boulogne-Dunkerque, il est attendu là, vendredi soir, c'est le derby. Ce qui est vraiment particulier ici, c'est que c'est vraiment le derby, non pas du Nord-Pas-de-Calais, ou pas des Hauts-de-France, mais c'est vraiment le derby de la Côte d'Opale. C'est le match qu'il faut pas rater, quoi. C'est un match important pour les supporters et puis pour nous aussi, parce qu'on joue le maintien, on a encore besoin de points, Dunkerque aussi, donc ça va être un match important vendredi soir. C'est vraiment important dans les deux sens, il y a d'abord du point de vue sportif, après aussi au niveau populaire, au niveau supporter. Lors de notre match aller à Chambly, on a perdu, je pense, il me semble, 1-0 si je ne dis pas de bêtises. Les supporters présents nous ont dit, écoutez les mecs, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous ce qu'on veut c'est Boulogne. Grégory Thys, c'est quand même un attaquant très très expérimenté. Alors évidemment, il a plus 20 ans aujourd'hui, mais c'est vraiment quelqu'un de redoutable. On sait qu'il faut vraiment le surveiller de très très près, parce qu'il lui suffit d'avoir une moindre opportunité dans la surface, et on sait que ça peut faire ficelle. Voilà, des combattants sur le terrain, gagner beaucoup de duels, mettre de l'intensité, de l'engagement. Et puis après, quand on aura le ballon, il faudra aussi bien l'utiliser. Pour gagner ce match, il faudra avant tout être solide et solidaire. Solide parce qu'il va falloir répondre aux défis, qu'ils soient techniques, qu'ils soient athlétiques. Et solidaire parce qu'un match de national, c'est un vrai combat. Ça fait 3 saisons que Dunkerque gagne à Trébu et que Boulogne gagne à la Libération. Donc on continue comme ça. On a perdu le match aller, maintenant c'est à nous de gagner le retour, donc j'espère qu'ils joueront le jeu sur ce plan-là. Que le meilleur gagne, en espérant que ce soit du côté de Dunkerque.